Pilote, le Major Anderson est ici. Explorez ce complexe. Je vous retrouverai de l'autre côté. C'est trop calme. Ça sent l'embuscade, cette affaire. J'en conviens, mais la reconnaissance rapprochée a combo pilote. T'inquiète, je fais moins de bruit que toi. Oui, la furtivité n'est pas mon point fort. Les équipes travaillant sur l'analyse de l'Arche sont attendues à la salle de conférence pour la présentation du général Marder. Merci. Passé là. Des distorsions ont lieu dans ce complexe et semblent provoquer une fissure temporelle. La prudence est de mise jusqu'à nouvel ordre. Une fissure temporelle ? C'est quoi ce truc ? Dur à dire. L'ERS a confirmé plusieurs cas sur d'autres planètes, mais toutes ces distorsions ont provoqué d'immenses décharges d'énergie. Prudence, pilote. Les forces de la milice, nous allons en fait préserver la race humaine et surtout accroître sa présence. Mais n'oubliez pas notre objectif. N'oubliez pas que ces pertes seront compensées par l'avancée inexorable de la reproduction humaine. En neutralisant radicalement les forces de la milice, nous allons en fait préserver la race humaine, et surtout accroître sa présence et sa puissance pour un futur prospère et radieux. N'oubliez jamais de porter clairement votre badge d'identification. L'activité suspecte doit être rapportée au garde. À cet endroit. L'IMC possède de nombreux centres de recherche scientifiques sur la frontière, mais celui-ci est différent de tous ceux recensés par la milice. Comment ça ? Ces grands anneaux au centre du site ne sont pas une technologie de l'IMC. Leur origine et fonctions sont inconnues. Étrange. Je détecte les traces de ma propre signature dans ce lieu. Ces distorsions affectent probablement mes analyses. Ces dépouilles ne correspondent pas au profil génétique d'Anderson. Peut-être est-il vivant. Je recommande d'examiner la réception. J'aurais aimé vous escorter, mais mon châssis est malheureusement trop grand pour la porte. T'as de la chance. Sarcasme détecté.
marche va avoir lieu comme prévu, mais faites évacuer tous les hauts gradés par la sécurité. Le général Marder et certains membres de son équipe vont se rendre au point d'observation. Poursuite de la mission. Faible signature biologique détectée au niveau supérieur du hall de réception. Inspection recommandée. J'ai trouvé Anderson. Il est dans le plafond. Objectif atteint. Contact établi avec le Major Anderson. Quelle froideur, BT. En effet, la température du corps d'Anderson est de 17 degrés, bien en deçà du seuil vital pour l'être humain. Si vous me confiez le casque d'Anderson, je pourrai l'analyser. Anderson étant mort, le commandement de l'opération spéciale 217 vous revient. Je vous félicite pour votre promotion, pilote Cooper. Voici le briefing de mission donné à Anderson par le commandant Sarah Briggs de l'ERS. Major Anderson, il y a 2 semaines, nous avons intercepté une liaison de l'IMC. Ils ont découvert quelque chose sur Typhon. Un souffle d'énergie énorme a provoqué des distorsions singulières. L'ERS doit s'infiltrer dans leur complexe. Compris. Je vais en apprendre plus. Cet appareil ramené de l'opération Grizzly se porte au poignet. Il devrait vous protéger. L'IMC a engagé Kuben Blisk et ses mercenaires pour garder là-bas quelque chose de crucial. Alors surveillez vos arrières. Anderson, je n'aime pas rédiger les avis de décès. Alors ne faites pas cavalier seul. L'ERS est une équipe. Pilote, les données obtenues par le Major Anderson semblent incomplètes. Il est de notre devoir d'accomplir l'opération spéciale 217. Avant d'agir, je suggère de retrouver l'appareil qu'il portait au poignet. Qu'est-ce qu'on est censé faire ? L'ordre de mission a été modifié. Brèche repérée dans le bâtiment de sécurité. Je vais ouvrir le passage. Je vais rester ici analyser cette structure circulaire pendant que vous cherchez l'appareil et toute information utile. Pas mal. La prochaine fois, t'as qu'à me lancer. Entendu.
lasers sont activés. Équipe d'intervention envoyée.